Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau reportage. Et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on va parler de Transformers. Mais attention, on va pas parler de n'importe quel modèle, pour deux raisons. Le premier, c'est parce qu'on va parler de l'emblématique méchant des Transformers, le fameux Megatron. Ici, il s'agira de la version G1, première génération. Mais ne vous y trompez pas, je ne vous présente pas le modèle Takara, mais sinon un modèle KO, donc knock-off, si vous avez vu mes vidéos. Ce sont donc des reproductions chinoises. Et ici, nous avons un knock-off de haut niveau, qui n'est autre que le modèle THF-03, THF Dynastron. Voilà, pourquoi je vous présente ce modèle? Parce que, à l'heure actuelle, c'est un des modèles. Je crois qu'il y en a encore un qui le suit de près, ou qui se vale, qui se rapproche, on va dire, à 99% de l'original, non seulement concernant l'esthétique, mais aussi concernant la qualité et la solidité du modèle, ce qui n'est pas toujours gagné dans les KO. Souvent, les points faibles sont les articulations relâchées, des matériaux qui tiennent pas longtemps, où on sent ça. Mais ici, ça n'a rien à voir, vous allez voir, c'est un modèle merveilleux. Voilà. Alors, par où est-ce qu'on commence? Eh bien, on commence par, donc, quand j'ai déballé la bête, on va dire, j'ai été agréablement surpris par, déjà, il y a un vrai mode d'emploi qui est vraiment pas mal. Alors, j'en avais déjà eu un avec l'Optimus Prime, mais c'était quand même ici pas mal, vu le nombre de transformations qu'il y a à faire. Par contre, je fais l'impasse sur la traduction anglaise qu'ils ont bien voulu, quand même, il faut saluer le geste qu'ils ont bien voulu mettre concernant les différentes étapes de la transformation. C'est vraiment, je pense, qu'ils l'ont traduit avec Google Translator, et comme les sens chinois, même quand on apprend le chinois, on sait très bien que c'est pas traductible, en fait. Ce sont des sens vraiment, enfin bon, voilà, il n'y a pas d'équivalent en anglais ou en français, donc c'est vraiment difficile. Mais bon, voilà, sachez que le mode d'emploi est super bien fait. Donc on a la première page avec donc le contenu du set. Donc on a notre Megatron, on a un plastron détruit, on a un sabre laser, mais vous verrez que cette partie-là, on peut l'utiliser pour le pistolet. On a la massue énergétique, on a l'adaptateur pour donner du mouvement statique et qui tient dans le sens de la massue énergétique. On a le viseur laser qui a aussi différents sons et de la lumière. On a le silencieux et on a la crosse. On a aussi trois visages, et pas les moindres, je vais vous expliquer. On a la clé du vector qui, elle, est totalement en métal. D'ailleurs, je vais vous montrer les autres parties qui sont en métal. Voilà, c'est à peu près le contenu. Et ce qu'ils n'ont pas mis aussi, c'est l'autre plastron que je vous montre après. Alors voilà, on a les étapes de transformation ici. Alors c'est super bien expliqué. Enfin, je veux dire visuellement, parce que je vous dis en anglais, ça n'a rien à voir. Hein, mais bon, c'est pas grave. C'est le geste qui compte. Hein. Voilà. C'est bien expliqué, et en même temps, bon, j'ai quand même eu du mal. Je dirais que si vous avez jamais fait un transformeur, vous allez souffrir. Si vous en avez déjà fait un, sachez que c'est du niveau 5, ce qui est pas mal, hein, parce que déjà on commence niveau 3, c'est pas mal, mais c'est du 5 ici, vraiment, c'est du costaud. Il faut suivre. Moi, j'ai été voir une vidéo, un tutoriel du Takara original,
Et comme il est identique, donc j'ai pu le transformer en pistolet, puisque c'est sa transformation principale. C'est le fameux pistolet que vous verrez tout à l'heure. Voilà. Alors, on va passer quand même vite par les accessoires hein, qui sont fournis. C'est une tonne d'accessoires. Donc, on a le plastron détruit. Allez, on va faire le focus. Voilà. Ça, par rapport au film, je crois, en 80 ou 90 qui est sorti, 80, 90, enfin bon, voilà. Et c'est quand il y avait la grande baston avec Optimus Prime. On a ici, ça c'est vachement intéressant, c'est, alors, petit focus. Hop, ça va pas. Voilà. En fait, c'est le plastron d'origine sur le pistolet du G1. Voilà. Du G1. Il est comme ça, en fait, quand on le voit sur le côté. Par contre, ici, comme il ne se transforme pas de la même manière que le tout premier G1 des années 80, on ne le verra pas apparaître de toute façon sur... sur le pistolet en lui-même, mais sachez que sur le G1, sur le pistolet même, à la première transformation, il se trouvait sur le côté à l'extérieur, donc on le voyait. Mais bon, ça a quand même la particularité de se trouver dans ce set, et c'est sympa puisqu'on peut le mettre sur le Megatron en sa forme robot. Voilà. On a un casque de communication. Ça, c'est quand ils étaient sur Cybertron. Voilà. Ah, les couleurs, je trouve encore bien. La peinture, je trouve aussi très sympathique. Hein. Alors, c'est vraiment... je vous dis, hein, attention, la qualité ici est vraiment, vraiment quasi irréprochable. Hein. Voilà. La massue énergétique. Avec la petite chaîne qui est en plastique. Pourquoi ? Ben, pour lui donner une... pour pouvoir faire la continuité de la couleur d'énergie. Alors il y a une autre version qui est aussi bien faite, mais dont les différences sont que c'est plutôt une chaîne. Et voilà, ça a été un choix de chaque comment dire ça, de chaque constructeur là qui ont fait la réplique. Voilà, c'est encore sympa. On a donc la simulation de la chaîne, mais cette fois-ci en voilà, vous connaissez, hein, c'est comme le système des socles sur les Figuarts par exemple. Et là, on peut détacher ici et mettre hop. Et puis après, ça va dans la main de Megatron. Voilà. Alors, on a le pistolet. Voilà. Alors ça, je pense que c'est le pistolet aussi qu'il a essayé d'attraper quand c'était la baston finale dans le film Transformers des années 80-90, là. Voilà. On a donc, je vous avais parlé du sabre laser. Donc on a ici le laser, hop. Et donc on a le sabre avec... son énergie, et ce qui est intéressant, donc c'est escamotable parce que on peut le mettre aussi hop ici sur le pistolet, donc ça simule un petit tir au laser. Ah, ce qui est pas plus mal hein. Voilà. Alors on a la clé du vecteur sigma. Allez, on va faire un petit... voilà. Ah, sachez qu'elle est tout en métal. Ouais, ça fait quand même son effet. Hein. Moi, je vous dis, pour après, je vous parlerai du prix, mais je vais vous dire, pour ce que ça a coûté, franchement, c'est de la belle finition. Quoi. Voilà. Alors, on a ça. Et alors, ce qui est intéressant, ici, ce sont les têtes. Alors, là-bas, là, vous voyez, là, au fond, là, on a notre petit Megatron qui fait le malin. On a la tête qui sourit, hein, voilà, et on a, alors,
essayer de rater la lumière. Attendez. Voilà. La tête pas content du tout. La tête, là, vaut mieux se méfier, est en train de réfléchir. Et on a une tête, elle est complètement ravagée par la baston finale avec Optimus Prime. Voilà. Et ça, c'est franchement, c'est pas mal d'avoir la version. Bon, je vous dis, hein, tout est tiré du modèle original de chez Takara. Mais voilà, pour vous dire que dans la version KO, on a quand même tout ça. Alors, on n'est pas en reste parce que on a la crosse qui servira pour le mode pistolet, qui le transforma en espèce de pistolet d'assaut. On a aussi le grand silencieux. Mais sachez que ces deux pièces-là ne serviront pas seulement en mode pistolet, mais je vous montrerai vite après, servent aussi encore d'accessoires pour le Megatron version robot. Et puis, j'ai reçu quand même, avec cette version KO, plusieurs autocollants. Et ce sont des autocollants décalcomanie, parce que c'est pas vraiment des bêtes autocollants qu'on colle, parce que vous pouvez voir ici que j'ai collé celui-ci. Ils sont en relief, et ils sont transparents, enfin bon, ils sont, regardez. Ils sont vachement bien faits. C'est tout à fait différent de ce que j'avais reçu avec mon Constructicon, par exemple. Voilà. Alors, on va voir quand même notre Megatron. Alors, voilà, voilà. Regardez-moi ça. Il est extrêmement, mais alors extrêmement bien fait. Voilà. Alors ici, c'est en métal. Il y a des pièces encore qui sont en métal, mais il faut que je les tâte. Mais en tout cas, ici, c'est du métal. Voilà. Il y a des métals à l'intérieur. Il est quand même lourd, hein, je dirais. Il fait bien ses petits 300 grammes, 400 grammes. Voilà. Alors, on va commencer par les mains. C'est extrêmement bien fait. C'est articulé sur les sur l'index. Et puis ici, sur le reste, vous voyez là. Ouais, une articulation ici, ici, le pouce. Voilà. C'est pas mal aussi. Hein. Alors écoutez bien, parce que pour du chaos, c'est quand même de la qualité. Et écoutez ça. Alors. C'est pas tout dur, hein, donc ça bouge bien comme il faut, mais c'est juste ce qu'il faut pour que les voilà, pour pas que ce soit lâche. Ça tient extrêmement bien. En général, les KO, c'est ça leur problème, c'est que les articulations elles lâchent. Ici, c'est vraiment pas le cas. On a aussi le même système au niveau des épaules. Voilà. Donc c'est pas du tout lâche. Qui est une bonne chose en soi. Voilà. Alors, on a évidemment l'articulation ici. Voilà. Donc là aussi, c'est pas mal. Bref, c'est vachement articulé partout. On a ici donc la tête. En haut, en bas. Voilà. Alors, le système de changement du visage, hein, pour ceux qui connaissent pas le Takara. Hop, on enlève et regardez les petits détails si c'est pas marrant ça. On va prendre le visage. Ah ben oui, je vous ai pas parlé. Je vous ai montré tous les visages, mais je vous ai pas montré qu'ils ont même fait le visage G1 original du tout premier dans les années 80.
Voilà, bon, bah, par exemple, on va le mettre. Bah, c'est simple, hein. On met ici. Et voilà. Voilà. Vous voyez, le changement de visage est vraiment extrêmement simplifié. Plus simple que ça, il n'y a pas. Et franchement, sur cette version KO, ça marche très bien. Voilà. Voilà. Que dire à l'arrière? Bah écoutez, c'est pas mal, hein, c'est super bien détaillé. Donc je vous dis vraiment, on a l'impression d'avoir un Takara. Sauf que je pense que ici, les couleurs, je crois qu'elles sont différentes par rapport à l'original. Mais pour le reste, c'est franchement bien. Alors le plastron, hein, c'est pas difficile. Hein. On va ici, on fait glisser, hop, voilà. Et on va mettre par exemple la version abîmée par la méga baston, voilà. On peut mettre le visage aussi, hop, et voilà. Ça vous fait la scène de baston finale où ils sont pas mal amochés, donc c'est vraiment sympa. Alors le clou du modèle quand même, c'est son viseur laser, parce qu'il y a trois positions. La première position, c'est les six phrases. Alors, bah, écoutez, puisqu'on y est pour le reportage, allons-y. Hein. Alors c'est la version américaine des voix, ce qui est pas mal. Il y a un autre modèle où ils font la version japonaise. Bon, c'est à choisir. Moi, j'ai connu les Transformers, un peu comme tout le monde, en français et après en américain. Bon voilà, c'est quand même pas mal, hein, six phrases et tout. Alors, on a après la version transformation. Donc vous voyez, je bouge le curseur et maintenant il est au milieu. Et puis on réappuie. Ah, c'est pas mal, hein. Alors il faut savoir, cette version a le son qui est beaucoup plus fort que l'autre version qui peut exister encore sur ce KO. Voilà. Et puis on a la troisième position qui là allume le canon et on y va. Voilà. Bon, en somme, c'est vraiment pas mauvais du tout. Hein. Ça nous donne pas mal de fun avec ça. Ça marche très bien, ça marche avec deux piles LR44 qui sont pas fournies. C'est pas plus mal non plus, hein, parce que de toute façon, en général, ce que les vendeurs chinois fournissent comme pile, c'est le genre de pile qui meurt en 3 jours, donc pas la peine d'en mettre au final. Alors, ça fera moins de ça polluera moins, et voilà, c'est tout à fait inutile. Voilà, vous prenez des LR44, c'est pas un drame. Voilà. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Bah écoutez, il y a tellement de choses à faire, mais voilà, par exemple, donc vous voyez que la base ici, peut servir de lance-canon. Voilà, on a des systèmes ici avec on pousse, hop, on relève, on tourne, ce qui peut servir en fait derrière de, on le met ici et ça peut servir en fait, voilà, si je fais bien comme ça. Un peu comme les voilà, je vais y arriver, comme les figuarts, pour pouvoir le poser et le faire voler, tout ce que vous voulez. Ça peut servir de base entre autres. Et sinon, voilà, on peut retourner, sortir les bras canon, voilà. Placer ici, on ouvre
ça. Voilà, ça donne ça. Donc c'est une des possibilités de ces accessoires là. Et puis vous verrez quand il sera tout à l'heure en mode pistolet. Voilà, c'est une autre possibilité. Donc voilà, tous les accessoires vraiment pour ce KO sont fournis. C'est vraiment vraiment très très sympa. C'est un modèle qui vaut la peine, quoi. Voilà. Donc ça c'est pour la version robot. Voilà, je vous laisse encore le voir. Parce que franchement, ça vaut la peine. Et alors en revenant pour le prix, alors il y a moyen de l'avoir vers les 80-85 €, mais si vous cherchez bien, il y aurait moyen de le dégoter à vers 60-63 €. Ça a été mon cas, et je vous promets, pour ce prix, c'est quasi 4 fois moins que ce que coûte maintenant la version Takara, puisque il n'y a pas souvent des rééditions, donc c'est la spéculation, hein, toujours avec ces genres d'objets. Et là, vous pouvez foncer les yeux fermés à ce prix-là, c'est vraiment, c'est donné, parce que la qualité est là. Voilà, donc on va passer au mode pistolet. C'est un MP90, je crois, ou un MP9. Qui donne vraiment bien et qui est à l'échelle. Donc voilà, vous voyez, le robot est franchement magnifique. Et donc on peut aussi mettre le casque. Voilà, hop là. Alors franchement, tout ça tape super bien. Il n'y a pas de défaut de moule mal fait, mal adapté. C'est parfait, quoi. Alors on peut bien sûr changer, donc mettre une masse énergétique. Donc on enlève, alors si je me souviens bien, on enlève ici, voilà, et il suffit de plugger ceci à la place. Voilà, voilà, on met la masse. Et donc on a notre Mégatron qui peut bien s'énerver avec les masses d'énergie. Voilà. Et on a aussi donc le pistolet que l'on peut mettre ici. Voilà. Hop. Voilà. Et qui tient parfaitement. Voilà, donc vraiment tout est nickel, tout rentre bien, il n'y a aucun défaut. Voilà, voilà, donc au niveau des gadgets, ça marche bien, c'est sympa, et il n'y a rien à dire. Enfin, en tout cas, moi pour l'instant, j'ai pas constaté de défaut, j'ai pas constaté de choses terribles qui pourraient rebuter par rapport à l'achat. Ça vaut vraiment vraiment son pesant en euros là, c'est magnifique. Voilà, voilà, donc je m'en vais le transformer. Autant vous dire que ça va pas être une partie de rigolade. Il y a à peu près au bas mot, allez on y va, il y a au bas mot 15 étapes. Mais bon, 15 étapes, ça nous fait par étape, il y a souvent 1, 2, 3, 4 mouvements à faire. Donc faites le calcul, on va faire 15 minimum fois 3 mouvements. Vous vous rendez compte qu'on est presque à 50 et des étapes réelles pour transformer notre Mégatron en pistolet. Voilà. Donc je m'en vais faire ça. Et on se retrouve après.
Voilà, la bête est transformée. Là, je l'ai mis avec tous les accessoires. Donc, vous vous souvenez, la base qui devient en fait une crosse et le double canon ici. Voilà. Donc, il est déjà vraiment pas mal magnifique comme ça. Alors, je vous montre encore un peu la crosse. Et puis je vais vous montrer le P90 ou 99, je vous mettrai la référence du pistolet en lui-même. Voilà. Donc déjà comme ça, il a une chouette tête. Et maintenant, on va détacher ça. Voilà. Ici, je vais détacher. Voilà. Et donc voici notre pistolet en lui-même. Voilà. Alors franchement, il n'a rien à envier au Takara, hein, vraiment pas, loin de là. Il est magnifique, il est super bien fait. Alors ça n'a pas été une partie de plaisir que de le transformer. Je vous avoue pour la première fois, disons que le mode d'emploi pour moi n'était pas spécialement ultra détaillé, mais je ne le reproche pas spécialement parce que il y a des modes d'emploi originaux de Transformers qui sont tout aussi brouillons. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'étais voir une vidéo là, il y avait une transformation du MP36 original et comme c'est la copie conforme, bah, j'ai suivi les instructions et donc j'y suis parvenu au final. Voilà. Donc vous pouvez voir que les détails sont vraiment magnifiques. On a même le chien ici, voilà. La gâchette hein, qui revient. Voilà. Superbe. On a même l'écran de sûreté. Voilà. Ah, franchement, je vous dis, hein, c'est blindé de détails, c'est magnifique. Hein. Voilà. Admirez encore les autocollants en relief là. Superbement bien fait. Hein. Voilà. Et donc, c'est notre Megatron version pistolet MP. Vraiment génial. Voilà. Donc. Qu'est-ce que je pourrais dire au final avec ce modèle, c'est que voilà, en fait, pour à peu près 80-85 euros, voire moins, si on a de la chance, on a un superbe modèle, donc le THF, qui vaut vraiment le coup au niveau prix, mais surtout au niveau de la qualité, parce que là, c'est vraiment de la qualité. J'ai eu peur au début pour le transformer, mais au final j'ai vu que les pièces tenaient très très bien entre elles et il n'y avait pas de soucis en fait. Voilà, donc bah, que vous dire, moi je vous recommande. Voilà, vous êtes un fan nostalgique absolu, mais vous ne voulez pas dépenser des 1000 et des 100, parce que là au bas mot, un Takara comme ça maintenant, MP36, il est à facilement 300 euros si vous avez de la chance, et ici bon, vous en tirez pour 4 fois moins presque. Voilà, donc c'est vraiment un très bon plan. Et je vous promets, il est vraiment, vraiment superbe. Il vaut vraiment la peine. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez eu plaisir à suivre cette vidéo. Et je vous retrouve bientôt, j'espère avant la fin de l'année, pour un autre reportage qui là va être gigantesque, comme vous avez pu le voir sur ma page Facebook. C'est, on va parler de la Batmobile de la Justice League du film, et qui est gigantesque et bourré de détails. Ça, c'est vraiment pour les purs fans, voire vraiment les geeks, parce que c'est quelque chose d'assez bluffant, quoi. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié notre gentil Megatron, hein. Et que ça vous donnera envie de l'acquérir, ou en tout cas de vous faire une bonne idée sur ce chaos magnifique du Megatron, copie du MP36 de chez Takara. Voilà. Et écoutez, je vous souhaite déjà des bonnes fêtes, même si ce sera un peu particulier cette année. Et j'espère vous retrouver avant la fin de l'année pour mon dernier reportage de l'année. Voilà. Allez, ciao, ciao!